Et salut tout le monde, bienvenue à tous sur KO Gaming. Vous êtes avec moi pour le deuxième épisode sur Shadow of the Tomb Raider. Et j'ai fait 2-3 petits réglages, hein, notamment au niveau du son, puisque je trouvais que le mixage son était pas bon du tout d'ailleurs. Certaines paroles qui ne se faisaient pas entendre au détriment de l'effet sonore et de la musique. Donc j'ai baissé d'un cran la musique et les effets sonores. Et j'ai activé les sous-titrages également. Bien, alors, lors de ce premier épisode un peu long, hein, je dois dire, désolé, nous avons trouvé des ruines au Mexique, durant la fête de la Muerte d'ailleurs, et en prenant la dague sacrée, on peut dire ça comme ça, nous avons activé une série de cataclysmes dont le premier fut un tsunami, qui a ravagé pas mal de gens au Mexique. La dague nous a été prise par Dominguez, le nouveau chef des Trinitaires, et nous devons essayer de retrouver la boîte d'argent, puisque la dague que l'on a trouvée assimilée à la boîte d'argent, nous pourrions sauver le monde. Putain, c'est quoi ça? Et donc, en partant avec Jonah, nous devions trouver une montagne qui se situait en haut des nuages, et on a subi une tempête, hein, décidément les conditions météorologiques dans les Tomb Raider c'est pas ça, et nous nous sommes crashés, et nous voici ici. Pas de nouvelles de Miguel, donc c'est celle qu'elle vient de crier, c'est le nom du chauffeur, enfin du pilote plutôt, et Jonah n'est pas là non plus. Hop, allez. Ça pourra servir. Je cherche à manger et à boire. Oh putain, mais alors là, on peut aller n'importe où, en fait. Allez, on va aller dans le vert. Putain, la végétation est très dense, ici. Hein. Et la survie, maintenant, on connaît. Bon, là, on est plus dans un milieu tropical, mais... Mais allons-y. Non, je regardais si on voyait le sanglier. Mais non. Sympa, mais c'est pas comestible. C'est pas les mêmes paroles entre ce qu'elle dit et... Hé oh ! Y'a quelqu'un ? Ah, ça c'est comestible, ça. Ah. D'accord, le Mirabilis. Bon, la suite c'est par là, ok. Alors je vais faire un épisode plus court, hein, histoire de compenser un peu avec ce qui a été fait lors du premier épisode. Dont l'action ne cessait pas. Ah oui, j'ai pas mes armes. Mais où est-ce qu'ils sont? Je dois les retrouver. Bon, en tout cas, à part ce problème de son, pour l'instant, je le trouve pas si mal. Je n'ai pas eu le temps de regarder le graphisme de Jonah dans Rise, où on va avoir un beau panorama là. Mais c'est vrai que pour moi, il est moins bien fait que dans Rise. Oh là 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 là, que c'est beau! Je me rapproche. Il y a quelqu'un là-bas. Je dois le rejoindre. C'est sublime. Est-ce que je peux faire une capture d'écran? Hop, ça c'est cadeau, ça. Oui. Parce que là, désolé, je fais une petite pause là-dessus, mais là, c'est vraiment trop beau. Ah oui, il faut que je l'associe à quelque chose. Ah bah tant pis alors. Oh là 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 là, c'est magnifique. Non mais vous avez vu les détails qu'il y a avec le marécage au fond. Oh là 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 là, c'est sublime. Même elle, hein, elle est bien modélisée. Hein. Alors ça fait un peu camouflage du coup avec la nombreuse boue qu'il y a.
Mais c'est vraiment sublime. Bon, oh putain. On va voir si tu n'as rien oublié de ta survie. Hein. D'accord. Ça me paraissait loin, mais bon. J'avais pas trop le choix de toute façon. Hein. Oh, les arrière-plans, mais... Là, on est vraiment bien sur PS4 Pro. Hein. Je vous laisse admirer un petit peu. C'est vraiment super beau. Et quand on repense aux animations cubiques polygonales qu'il y avait en 1996, lors du premier Tomb Raider, on en est très très loin. Mais j'ai pas de quoi le... Ah oui, c'est un singe. Ah là, on est vraiment dans la... Dans la nature la plus profonde. Hein. Qu'est-ce qui se passe là? Oula, il y a eu un vieux bug. Je sais pas si vous aviez vu. Je me déplaçais sans marcher en fait. Hop là. Ah, et la boue, elle est bien modélisée aussi. Hein. Et les traces restent. Eh oh, Thomas, Miguel, vous me recevez? Vous êtes où? Vous entendez le mixage son, même en ayant monté, c'est pas encore ça. Hein. Oui, j'ai pas mon couteau. Ça fait chier. Bon, le premier feu de camp du jeu, on n'en avait pas trouvé. Encore. Je ne pensais pas que la tempête serait si violente. Tout est de ma faute. J'aurais dû écouter Jonah et mieux réfléchir. Je n'aurais jamais dû prendre cette dague. J'espère qu'il n'y a pas eu d'autres blessés, ni d'autres villages détruits. Alors, je dois arrêter ces cataclysmes avant qu'il ne soit trop tard. Pour l'instant, ouais, indisponibles équipements. Le troisième truc, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, on a des points de compétences. Oh. Développer les compétences de chercheur améliore les capacités d'exploration et d'observation de Lara. Les compétences de guerrier augmentent les capacités de combat et des armes. Les compétences de pilleur améliorent ses techniques de fabrication et de furtivité. Bon, pour l'instant, ça reste similaire à Survivor Eastbourne. Alors, choisissez une compétence à apprendre en sélectionnant une case bleue, rouge ou verte. Les compétences avec les bordures blanches ont été achetées. Les cases sombres seront déverrouillées lorsqu'une compétence adjacente sera achetée. Certaines compétences doivent être trouvées et ne peuvent pas être achetées. D'accord. Ah ouais, c'est présenté vraiment bizarrement. Donc le bleu c'est chercheur, le rouge c'est guerrier et le vert c'est pilleur, d'accord. Ah, j'aime beaucoup la fresque qu'ils ont représentée pour faire ça. J'aimais pas trop le côté horizontal de Survivor Eastbourne. Menace du renard. Alors déjà, qu'est-ce que je peux améliorer? Parce que là tout ce qui est en... Je peux faire tout ce qui est en fond de la couleur, tout ce qui est en fond noir je peux pas. Alors, on a augmente la précision en maintenant les tirs chargés durant une période plus longue. Assistance visuelle quand vous visez la tête d'un ennemi. Réduit les dégâts quand vous tombez de haut. Ah oui. Lara ne glisse plus en s'agrippant aux corniches. Temps de réaction pour échapper aux pièges et saisir des ennemis au grappin augmenté. Ah, c'est pas mal ça. Réaliser une élimination furtive sans alerter les ennemis proches. Augmente votre vitesse en nageant. Fouille automatiquement les ennemis tués par une élimination furtive. Ouais, bon, ça va. Réduit le bruit des sauts, des réceptions et des chutes. Gagner la capacité de récolter des sécrétions toxiques et du venin sur les araignées et les scarabées. Récolte nécessite le couteau de fortune. Localiser le cœur d'un grand animal en utilisant l'instinct de survie. Les tirs au cœur infligent de lourds dégâts. Et le dernier...
révéler les artefacts, les monolithes, les coffres à trésors, les cartes d'archivistes et sacs à dos d'explorateurs utilisant l'instinct de survie. Bon, moi je serais plus tenté du côté guerrier. Le côté guerrier, eh ben moi je serais plus sur la chute du renard. Ah, hein. Et oui, il me reste encore 3 points de compétence. Immobiliser les ennemis sans protection avec une contre-attaque après une esquive. Résister aux dégâts des ennemis durant un court laps de temps après avoir soigné vos blessures en combat. Ouais, non. Et c'est tout ce qu'on a débloqué. L'assistance visuelle. Ça, c'est le délai de piège. Réduit le bruit des sauts. Ça, ça me plaît bien. Hop, il me reste encore 2 points de compétence. Augmente les chances de trouver des animaux rares. Augmente la quantité de ressources fabriquées de chaque type ramassé. Ça, c'est pas mal aussi. Est-ce que si je débloque ça, ça me débloque un truc vert, là? Ça me débloque un truc vert, également. D'accord. Ajoute un emplacement pour fusil éclairante à tous les pistolets. Les fusils éclairantes mettent le feu aux ennemis sans protection et aveuglent les ennemis proches quelques secondes. Bon, j'ai fini de développer tout ça. J'ai fait deux quand même, deux chercheurs et un guerrier. Ok. Bon, bah c'est présenté vraiment pas mal. Alors, est-ce que la carte... Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Ah ouais, d'accord, oui, effectivement. Ouh, on va avoir un grand cratère, là. Atterri... Ah, bah ça, c'était au Mexique, ça. Je suis loin d'avoir tout trouvé, hein. Donc là, bah, maintenant, là, on est dans notre endroit final. J'ai envie de dire, enfin, final. J'ai envie de vous dire le principal, plutôt, hein. Donc, d'accord. Ok. Eh bien, allons fouiller les alentours. Un bout de l'avion a atterri là. Mon matériel est dans le conteneur. Il faut que je coupe les sangles. D'accord. Oui, mais j'ai pas de couteau. Alors... Je peux pas ouvrir ça à main nue. Putain, ouais, le couteau, il est vachement utile, en fait. Peut-être un bout de métal de l'épave. L'hélice ? Eh non. C'est pas une bonne idée. C'est pas vrai. Parce que là, avec le bois, ça va pas être génial. Oh là là, mais c'est vachement dense. Putain, je trouve que des trucs à faire avec le couteau. À part ça, sans le bon outil, je pourrais pas l'ouvrir. Allez, là, il va vraiment falloir trouver le couteau de survie et vite. Et là, c'est pour couper la corde. J'ai besoin de quelque chose pour couper ça. Eh oui, bah oui, oui, oui. Et puis, il y en a partout. Hein. Et là. Non, ça je peux pas. Ouais, ben non, il faut des flèches grappins.
Ah oui, pour aller là-bas, ok. Améliore la perception. Ok, ici on peut pas. Oh putain. Ah bah ça. Ah non, c'est une page de journal. L'expédition. Putain, je trouve tous les secrets de cette foutue jungle, mais je trouve pas mon couteau, bon sang. Là, il y a une hélice, mais non. Ici, là. À moins qu'il faut que j'aille sous l'eau. Ici, j'y suis pas allé. Alors, je visite, hein. D'un autre côté. J'ai vu un truc qui brillait en haut là. Bah, par contre, non. Ah, j'ai trouvé une crypte. Eh oui, mais bon. À mon avis, je vais peut-être pas pouvoir aller bien loin. Hein. Eh oui, il me faut. Voilà. Des flèches grappins. Bon, le retour des cryptes. Il y a les cryptes et les tombeaux anciens. Voilà. Ah bah tiens, c'est des tombeaux facultatifs. Ils vous disent qu'il y en a un à proximité. Ah bah ça doit se caractériser par ça. Ah, on retourne aux premiers amours là. J'ai besoin du piolet. D'accord. Ah là, ça fait vraiment Tomb Raider ancien. Il y avait une grenouille bleue. Ça fait vraiment plaisir. Bon bah je pense que c'est dans la flotte, hein. Je vois pas d'autre solution. L'hélice qui est tombée, on va aller la récupérer. Rouge. Oh putain, voilà ces saloperies. Ok. Donc j'ai un bout. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, le beau bug. Ah, il y a des défauts quand même, hein, de paramétrage assez assez impressionnant. Hein. Ça, on aurait pu s'en passer. Après, faut pas oublier que le jeu est vaste. Donc forcément, c'est plus difficile d'entrer dans des détails de graphisme que quand vous faites un jeu de couloir. Mais quand même, quand je dis un jeu couloir, c'est vraiment un jeu linéaire. En tout cas, les passages d'eau, ça, c'était un peu ma hantise hein, dans les premiers. Mais là, ils sont quand même... sont pas trop stressants pour l'instant. Bon, essayez aussi. Je dois trouver un moyen de l'aiguiser. D'accord. C'est pas mal ça, mais il m'en faudrait plus. Je m'avais trouvé plein tout à l'heure.
ce que je cherche. Là. Il m'en faut juste un peu plus. Maintenant, je peux. Voilà. Et ensuite, j'étais monté par ici. J'ai tout ce qu'il me faut. Je devrais retourner au campement. Ça manque de tranchants. Encore ? Ah oui, il faut que je... D'accord. Je suis pas allé par la terre. Attendez, je suis paumé là. Ah, ça y est. Alors, le campement, il est juste là. Alors, fabrication d'armes. Couteau. Oui, bah, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Là, il faut que je maintienne. Ok. Ah, on a des tenues disponibles. Chemise Oxford en coton beige et pantalon vert. Une tenue fonctionnelle pour des aventures hors des sentiers battus. Un débardeur noir et un short. Tenue parfaite pour les ruelles sombres de Paris. Ah bah ça c'est les... C'est la tenue Angel of Darkness. Oh putain, même avec les vieux graphismes quoi. Incroyable. Un débardeur bleu, ah bah oui j'avais pas vu l'ange des ténèbres. Tomb Raider 2, un débardeur bleu sarcelle et un short marron plus nostalgique que fonctionnel. Trop bien. Ah j'adore. Et blouson d'aviateur, blouson classique avec revers en laine de mouton. Ah bah ça c'est celui, d'accord. Ouais. Blouson d'aviateur, c'était dans Tomb Raider 2 également. Hein. Bon nous on va quand même remettre la... La tenue classique, hein. Ça, ça devait être dans... Ah oui, non, non, c'est le début de l'aventure, ça. D'accord. On va garder ça. Sympa, les petits clins d'œil aux anciens. Équipement. Bobine de corde tressée. D'accord. Ok. Il y a encore la peinture du truc. Ça devrait être assez coupant. Eh ben, on va tester ça de suite. On a combien? 23 minutes. Bon, là, je pense que ce sera beaucoup plus facile de s'arrêter quand on le souhaite. Le conteneur est encore retenu par un truc. Un vrai petit singe, cette Lara Croft. Génial, je peux récupérer mon équipement. Il est tombé dans la fosse. Ah non. Ah si, il est tombé dans la fosse. Oh, il est magnifique l'arc. Hein. Pourquoi j'ai pas tout rangé au même endroit? Parce qu'il n'y a pas la place. Miss Croft, quelqu'un me reçoit? Allô? Miguel, où tu es? Merde! Oui, évidemment.
Bon, on va retourner à un endroit où on est allé tout à l'heure. Alors, c'était par là, si je ne m'abuse. Là où j'ai trouvé un parchemin, d'ailleurs. Voilà, ici. Il y avait autre chose, là. Il y avait juste ça. Bon. Je prends quand même. Ça me fait monter en bonus aussi. 25 minutes. Ah, il y a un géocache. C'est bien caché, ouais, effectivement. Il porte bien son nom. Bon, ça change de l'environnement glacé qu'on pouvait avoir avant. Mais je n'ai pas de flèche. Ah, mais c'est là. Bon, là, c'est peut-être la suite. Hein. Je vais pas le piolet encore. Je ne peux pas faire le tombeau facultatif. Voilà. Et je peux pas faire la crypte non plus. Hein. Il y a un petit lapin. Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Ils sont assez rapides hein, quand même. Il est coincé. Ouais, mais ils vont là-dedans. D'accord, ils disparaissent là-dedans. Très étrange. Putain. Ils se sont pris pour des trains ou quoi? Ouais, mais tant que je pense que tant que j'ai pas... Il me manque des trucs. Tant que j'ai pas mon piolet, par exemple, ça risque d'être assez compliqué. Je peux encore le... Oui, j'ai de l'arc maintenant, du coup. Ça, je peux pas. Alors, amélioration. Ouais, ils ont repris vraiment l'ancien mode. Alors, tige renforcée. Ah, mais j'ai pas assez de... D'accord. Non, mais je peux rien améliorer pour l'instant. En compétences, par contre... Moi, j'en ai eu un. Et je sais lequel je vais faire. Voilà. Les éliminations furtives sans alerter les ennemis proches. Ça me semble pas mal. Du coup, j'ai débloqué quoi? Tuer un deuxième ennemi lors d'une élimination furtive pour effectuer une élimination successive. Augmente votre apnée en nageant sous l'eau. Tout simplement. D'accord. Bon, on est à 29 minutes. Oui, donc c'est bien ce qu'il semblait. C'est bien de l'autre côté. On est parti.
pas de toute façon. Miguel ? Il y a du tombeau à faire. J'aime pas ça. Ah, voilà la fusée. Miguel ? Où tu es ? Pourquoi elle appelle pas Jonah ? Oh non. Miguel ? Miguel ! Putain, je trouve que c'était la... le pied qui était coupé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Miguel ? Bon, Miguel, arrête de jouer maintenant, hein, ça suffit. Bon, respiration. Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord. Jaguar, ça. Oh, il y en a deux. Oh non, merde. C'est ça, traverser le territoire des jaguars. Bon, c'était un truc facultatif, ça. Non, 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 c'est pas possible. Alors, où est-ce qu'ils sont ? Faut que je sois très prudente. Je pense qu'il va falloir faire jouer nos réflexes, hein, mon ami. Transformé en John Rambo. Là. Pas vrai. J'ai que 5 flèches en plus. C'est bien ça. Merde. Où ? Merde, loupé, putain, il me reste une flèche. Ça fonctionne. Là. Oh, putain, il s'est cassé. Ouf. Merde. Oh putain. Aïe 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 aïe.
connais maintenant ton petit coin. Putain, et tu crèves jamais. Oh, il y a le deuxième. Oh là 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 là. Le couteau. Voilà. Le gros minou. Hey, oh là l'autre. Il est bien blessé, mais il est toujours là. Il aime pas la boue. Oh, il va chercher son copine. Ça, c'est un peu abusé, ça. Je sais pas si c'est faisable en vrai, mais bon. Eh ben, heureusement que j'avais mon arc, moi. Trouver Jonah. Maintenez. D'accord. Ok. Je suis couvert de boue. Eh ben, sacré jaguar, hein. Vous vous rappelez dans Tomb Raider Anniversary, la révolution que ce fut quand on sortait de l'eau et que les vêtements de Mara et de Lara étaient trempés et foncés du coup. Putain, on en est loin là. On en est loin maintenant. On peut se mettre de la bouillasse sur le corps maintenant. C'est quand même incroyable hein, les progrès que la technologie peut faire. C'est somptueux. Bon, comment on sort de là maintenant ? Par là-bas. On a arrêté de chercher Miguel du coup, hein, vu qu'il était coupé en deux par nos amis jaguars. J'espère que Jonah, c'est pas la même chose. C'est un bout de l'avion. Jonah ! Je crois qu'il y a encore un campement là-haut. Hop, 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 hop. Alors, l'environnement m'est propice grâce au jaguar. Ok. Ah, un géocache. Ah non, c'était une page. Jack Fawcett. Ah, il y a plusieurs passages. Oh là 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 là. Ouais, c'est bien un monde semi-ouvert, hein. Pour l'instant, il y a des petits embranchements. Ça fait peut-être encore un peu plus couloir que Rise. Mais quand même. Ça me nettoie aussi d'un côté. Il y a une carcasse là. Putain, il a explosé de partout. Ok. J'ai vu qu'il y avait encore une petite plante. Si je regarde la carte, ça me fait quoi? Zoom avant. Je m'éloigne de mon objectif par là. Ouh, il y a plein de choses ici. Encore de l'expédition.
Pour l'instant, on va pas les lire, hein, mais on le fera, il n'y a pas de souci. J'ai vu qu'il y avait un trésor là-bas. Un trésor. Un bonus, du moins. Bah d'ailleurs, je pourrais le chercher. Ouh, ça c'est l'entrée d'une crypte, ça. Et il faut encore le piolet. Quand je disais dans l'épisode numéro 1 que le piolet était devenu aussi mythique que ne le fut les deux pistolets. Enfin, j'avais dit le piolet, mais non, enfin, c'est l'arc plutôt, hein. Mais le piolet, il est aussi. Hein. Il n'y a pas photo. Bon, si je continue par là, ça va me mener où? D'accord, je rejoins l'embranchement d'avant. Et me voici. L'avion. Jonah, t'es là, Jonah? Ce serait cool. Ah, mon piolet. J'ai cru que t'étais mort. Hé, hey, tu sais où est passé Miguel? Il a pas survécu. Qu'est-ce qu'il a, ton bras? Ah, je crois que c'est un parasite. J'ai bien cherché de l'armoise, mais ça pousse pas dans le coin. Je vais regarder. Oh ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Si on le laisse comme ça, ça va empirer. Assieds-toi. T'es sûr de savoir ce que tu fais, là? En fait, j'ai eu un peu la même chose il y a longtemps, quand j'étais gamine en Égypte. Je vais pas te mentir, ça va faire mal. Tu crois que cette tempête, c'était la tempête? Celle de la fresque? Je sais pas. Je crois qu'on devrait s'arrêter, faire le point. On a foncé tête baissée. Et puis, avec la tempête... J'aurais jamais cru que ça empirerait autant, je... Ouais, j'aurais dû insister pour qu'on cule. Mais je comprends. Tu bloques sur un problème et tout le reste disparaît. Jonah. Hé. Je suis là. Et c'est mon choix. Le plus souvent. Mais si on meurt, qui arrêtera les cataclysmes? Qui empêchera les trinitaires d'agir? Parfois, je sens que je suis obligée de continuer parce que sinon les gens croiront que je les abandonne. Mais peut-être que pour quelques heures, on aurait pu attendre. On devrait lui donner un nom. Ok. Ellie? Ah, c'est mon cousin. Il avait une sale tête d'asticot. Adieu, Ellie. Merci. On devrait y aller. Si on arrive à trouver Kouakiaku, on pourra se reposer cette nuit. Bonne idée. Je crois qu'on peut voir le village à travers les lianes par là. Il y a bien un camp ici, non?
Je suis contente que tu sois resté près de l'épave. Si t'étais là, je voulais que tu puisses me trouver. J'avais le pistolet de détresse. Oui, je crois que Miguel se dirigeait par là quand... Le pauvre. Ah, attendez, il y a des trucs là. J'ai l'impression quand même que les feux de camp se font de plus en plus rares. Hein. Bon là, on retourne... Oui, je suis déjà allé là-bas. Alors, il ne nous suit pas comme un dératé, Jonah. Ah bah si, il y en a un là. Bah parfait. Je suis soulagé d'avoir retrouvé Jonah. Surtout après ce que Miguel... Au moins, Jonah m'a pas demandé ce qui s'était passé. Les jaguars... Je veux pas qu'ils s'inquiètent. On doit rester concentré si on veut garder notre avance sur les Trinitaires. Ok. Alors du coup maintenant... Oui, alors j'ai toujours mon couteau improvisé. Et par contre le reste... Alors ça je peux pas l'améliorer encore. Et ça... Ah là, il y a deux choses là. Une poignée... Enveloppante offre une meilleure maniabilité pour arc et donc une meilleure cadence de tir, ouais. Une corde dans une enveloppe de cuir permet de réduire la tension sur le doigt et de maintenir la flèche plus longtemps. Ouais, on va attendre encore un petit peu, hein. Je préfère augmenter mes dégâts, moi. Et au niveau compétences... j'en ai pas, donc comme ça au moins... Allez, on va s'arrêter ici les amis, je fais un épisode plus court comme je vous l'avais dit. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Et moi je vous dis à bientôt pour la suite des aventures de Shadow of the Tomb Raider. Allez, salut tout le monde!